Là, ok.
mes amis étaient maintenant que nous sommes sortis et c'est un stade de passer. Et c'est à toi de nous bloquer pour ça, va bien bon. Monsieur, écoutez-moi bien, monsieur. Comment vous commencez? Et nous oublions de mettre pour nous les téléphones en mode d'avion, en mode de silence. La solennité de cette cérémonie revient bien en mode de silence complet. Et cela facilitera la tâche aux journalistes et également aux invités. Nous avons des invités de membres, mesdames et messieurs, nous devons avoir une commande de nous. La salle est assez petite, elle ne peut pas accueillir tous les visiteurs et toutes les personnes. Allez, aidez-nous à gérer la situation. C'est une situation toute particulière. La salle est extrêmement petite. On ne peut pas accueillir tout le monde ici. 21e siècle. 2024. Excellence, monsieur le ministre de la Justice, maître Carlos Hercule, monsieur Franck Wilbert Georges, l'actuel titulaire du ministère des Affaires sociales, monsieur les membres du cabinet et distingués ministres, monsieur. Les dames, les hauts responsables au ministère des Affaires sociales. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin pour une cérémonie tout à fait particulière et solennelle. Le ministère des Affaires sociales va accueillir son nouveau locataire à la personne de maître de M. Franck Wilbert Georges. Je veux croire que cette cérémonie revêt une circonstance particulière. Certainement, le nouveau locataire aurait dû être reçu par les hauts responsables du ministère qui sont brillés par leur absence. Et hormis l'ADM et le directeur des ressources humaines, Frantoyo, et d'autres responsables, on a pu remarquer que l'ancien locataire ou le ministre sortant, il n'est pas là. Le directeur général, M. Widier Riveau, est également brillé par son absence. Ce qui importe pour nous autres, c'est quand même une situation toute particulière. Donc aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales va accueillir son nouveau locataire et je veux croire que cet événement revêt une importance particulière et nous avons pas mal d'invités avec nous et tous ces invités sont venus accueillir pour souhaiter la plus cordiale bienvenue au nouveau locataire du ministère des Affaires sociales. Naturellement, le ministère des Affaires sociales a toute une histoire et c'est pourquoi nous voulons vous introduire. Le docteur Franz Toyo, le directeur des ressources humaines, certainement après plus de 5 ans de carrière, 5 ans assidus, il est à même de vous présenter succinctement. Cœur pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout coin, quel que soit côté événement, cœur pour moi là, cœur pour moi, chapeau, félicitations, nous ne pouvons jamais bouquer, félicitations. Cœur pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Cœur pour moi, SPS. Son choix li. Et moi, c'est créole pour moi, SPS fait choix baldou. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec créole pour moi, sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans souffle. Ciao.